alors même qu'il s'était converti au christianisme. La reconquête de l'Espagne par les chrétiens a généré un sentiment de perte. Aujourd'hui encore, les musulmans qui visitent l'Andalousie, Cordoue, Grenade ou Séville, ressentent une nostalgie, le sentiment d'avoir perdu quelque chose, à tout jamais. La diversité entraîne forcément la friction. Mais sans diversité, nous serions tous les mêmes. Certes, il n'y aurait pas de friction, mais il n'y aurait pas non plus de créativité, qui ne peut résulter que d'une tension. Pensez seulement à ce que l'Espagne médiévale a donné à l'Europe. La technique de fabrication du papier, la technique de l'irrigation, des idées en médecine. Tout cela n'a pu se produire que parce que des cultures ont communiqué entre elles et ont appris les unes des autres. C'était une manière d'agir ensemble, sans forfanterie, une disponibilité. Cette tolérance n'était pas idéologique, c'était une pratique. L'Espagne musulmane nous fascine parce que nous y projetons notre aspiration à un monde où juifs, chrétiens et musulmans, avec des hauts et des bas, s'entendraient ainsi. Nous nous languissons d'un monde où les relations seraient plus simples. On peut en tirer une leçon. Les hommes doivent trouver un moyen de vivre ensemble, d'avancer ensemble, malgré les contradictions qu'ils ressentent, malgré les différences qui séparent leur vision du monde. Nous devons comprendre qu'à vivre dans la même ville ou le même pays, nous partageons tous certaines valeurs. Nous devons faire en sorte que cela fonctionne pour le bien de nos enfants et de nos familles. L'histoire de l'Espagne musulmane révèle l'immense potentiel de nos valeurs communes. Sa splendeur et sa tragédie nous exhortent à renouer avec la tolérance et à méditer le sens profond de la parole la plus sacrée des chrétiens, des musulmans et des juifs. Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même.